Salut, salut bonjour à tous bonsoir euh, bienvenue dans ce nouveau live live robotique numéro 8 euh, et aujourd'hui, ce soir, on va parler un peu du mat-balise. Donc, euh, ceux qui me suivent déjà savent que le dernier live, on avait déjà fait euh, de la conception du mat-balise pour la Coupe de France de Robotique. Et l'idée, c'est que ce soir, eh bien, on continue ça. On essaye de... Allez, on va, on va, on va se dire qu'on va tenter de le finir au moins d'un point de vue mécanique. Et peut-être d'entamer un petit peu l'électronique. Euh, mais bon, voilà, ça va être le, le but de la soirée. Euh, bon, alors après, comme vous pouvez le voir, euh, donc nouveau live sur Twitch, déjà. Alors, attendez, hop. Nouveau live sur Twitch, et euh, j'ai pu refaire un petit peu mon layout. Euh, donc, il euh, y, euh, y a plein de trucs euh, de nouveau. Il y a le chat qui est ré réapparu sur la, euh, sur la droite, là. Euh, donc ça, c'est vraiment cool. Droite Ah oui, gauche pour vous. Droite. Euh, et du coup, ça c'est vraiment vraiment chouette. Euh, du coup, euh, le dernier live, je l'avais euh, enregistré, mais du coup, sans le chat, et je l'avais mis euh, sur YouTube. Donc là, maintenant, on va avoir le chat et l'enregistrement sur YouTube en plus de Twitch. Donc si vous me suivez sur les deux plateformes ou si vous me suivez que sur l'une des deux plateformes, et eh ben écoutez, c'est pas grave, vous aurez déjà vous aurez tous les tous les supports. Du coup, euh, c'est vraiment chouette, il y a monsieur Poppy euh, 5002 qui est là sur le chat. Bonsoir monsieur Poppy. Euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui ne se sont pas encore manifestées sur le live, qui sont passées, qui sont reparties. Bon, et eh ben, peut-être qu'elles euh, qu repasseront, qu'elles se manifesteront. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Vous me posez les questions dans le chat, j'y réponds en même temps que j'essaye de travailler. <laughs> euh, et puis, ben, on va, commencer, euh, on va commencer tout de suite. Allez, let's go! Alors. Ah oui, alors par contre, euh, petit, euh, petit problème, euh, ma caméra là, euh, qui me permettait de filmer euh, bah, en fait, mon, mon poste de travail quand j'avais besoin de vous montrer les trucs de près, a décidé de ne pas fonctionner. Je ne sais pas si c'est la caméra ou si c'est le logiciel. Euh, donc du coup, bah, euh, on n'aura pas, euh, pas de gros plans là ce soir. Euh, ça, ça a décidé de, 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 de merdouiller euh, 10 minutes avant le début du live. Euh, donc bon bah c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une solution qui était, je trouve, hyper intéressante pour moi parce que je... Je reviens sur l'accueil, j'utilisais en fait mon euh, bon 550D euh, pour faire mon, mon live et puis pour filmer de, de, de près. Mais euh, en vrai, euh, c'est un peu overkill. Et en fait, le process pour pouvoir envoyer la vidéo euh, sur OBS est vraiment vraiment très chiant. Donc, et eh bien c'est pas grave, je, euh, je trouverai une, gamme, une webcam. En fait, ce sera beaucoup plus simple avec une webcam. Allez, c'est parti. Donc, la semaine dernière. La semaine dernière, le dernier live, un peu moins d'une semaine en fait, nous nous étions arrêtés sur cette conception de balise. Alors je vais tout de suite remettre la vue, voilà, ouf, les couleurs cycling tool pour pouvoir visualiser un peu mieux nos éléments. Donc on s'était arrêté là, on avait résolu quand même pas mal de le... De soucis, on avait fait si vous vous souvenez du passage de câble là, ici avec deux pièces, donc ça c'était vraiment chouette. On avait pu faire la fixation du servomoteur, le support du servomoteur. On avait eu Thomas qui nous avait donné une super idée pour pouvoir fixer euh, le plan du servomoteur, donc ça c'est vraiment chouette. Et euh, comme il est euh, noté dans le règlement. Nous sommes censés avoir euh, comment dire un contour fermé. Sauf que là, le contour, il est absolument pas fermé. Voilà, il me manque deux plaques, une plaque ici et une plaque là. Alors ça, c'est une première chose. C'est une première chose. Deuxième chose, euh, l'autre problème qu'on a, c'est que euh, il faut qu'on euh, ait une plaque sur laquelle on va venir fixer euh, l'électronique. Donc, il faut que l'on trouve une solution pour fixer ces plaques. Alors, moi, je pense, j'y ai un peu réfléchi, alors très légèrement réfléchi. L'électronique, on va la mettre là, c'est là où il y a le plus d'espace, euh, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'avec ce nouveau setup, j'ai mon micro qui est en face de mon clavier, ce qui n'est vraiment pas particulièrement pratique. Voilà, on a 3 cm. 29,725 mm, ce qui est bien. Ce qui n'est pas foufou, mais ce qui est bien pour pouvoir intégrer notre électronique. Donc, très bien, nous allons mettre l'électronique ici. Et ici, nous allons devoir fermer. Alors, euh, bah, je pense qu'on va fermer de manière euh, violente et définitive. Hein. Là, de toute façon, il euh, n'y a pas. Alors... Moi ce que je pensais faire, parce que j'aime bien le pliage, je pensais utiliser du pliage pour pouvoir fermer ici. Et notamment je pensais utiliser ces, ces, ces plaques là pour pouvoir voilà, réaliser un pliage ici et fermer en fait notre enceinte. Je trouverais ça joli. Et je trouverais ça hyper pratique et élégant. Le problème, le problème c'est que mes deux plaques là... Hein. Bon alors on va le faire, puis on va voir ce qui se passe. Alors pour faire ça, je vais supprimer. Voilà, je vais supprimer ce truc là. Euh, ouais, peut-être que je le reverrai après, mais pour l'instant on va le supprimer. Et on va aller sur la partie shit métro. Et ah oui, parce que du coup cette pièce-là n'est pas une pièce euh, de type shit metal. Et donc du coup c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, Il va falloir qu'on refasse tout. Comment pouvons-nous faire Alors, comme j'ai dit au tout début... Euh, On est sur le premier travail d'ébauche. En général, je vais pas tellement plus loin. C'est-à-dire que si je fais de la merde dans mon euh, historique, pour mon premier ébauche, c'est pas trop grave. Parce que de toute façon, je sais pas trop où je vais, donc euh, je sais qu'il va y avoir des soucis. Donc, étant donné qu'on ne sait pas trop où on va... Carter latéral 1 et carter latéral 2 c'est une solution maintenant ce qu'on va faire c'est que on va créer euh, non on va le faire comme ça on va créer un sketch ici qui est la projection de notre carter on va le terminer Hop. ici donc on a un sketch qui est là qui représente cette pièce là et on va oh attendez Convert to cheat metal. Convert to body uniforme avec ah, faire sur le solid. Four. Oh, oh, pas mal, pas mal. Oh, Attendez, ça a marché ça? Ah, c'est nouveau. Carter latéral. Oh, magnifique. Oui, j'ai rien dit. Oh, on va même pas avoir besoin de faire des trucs moches. Ça, c'est quand même incroyable ça. <laughs> euh, bon. Bah on ouais, va juste supprimer ça. Bon ça par contre c'était moche. Je suis d'accord avec vous. Et puis alors en théorie. Si je fais flange ici. Ah oui. Que j'adore cet outil. Alors ouais. Le gros souci quand même c'est que celui là du coup est dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Masquer ce carter que je ne saurais voir. Hop. Donc. Ah oui ça c'est très très bien ça. Donc on va aller jusqu'à. 50 pour fermer, alors 50, euh, non, attention, 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 le 50, c'est de où à où Ah, c'est de l'intérieur, sauf que l'intérieur ne fait pas 50, l'intérieur, il fait 50, il fait euh, 50 moins 3. Voilà, et on va se garder... Oh, est-ce qu'on le fait juste ou pas Non, on va le garder comme ça. Ok. Super. Et donc là, par contre, il bah, y a un souci parce que j'ai ça. Donc ça, ça marche. Alors, on va revenir en arrière. Ok. Et on va faire... Alors, comment on va faire qu Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on fait une encoche ici et on commence à tourner hmm. on va regarder si ça marche ça se mm -hmm. passe des choses un peu étranges voilà merci ah oui d'accord ok alors j'ai pas trop l'habitude d'utiliser le cheat méthode, mais j'ai l'impression que il fait une différence quand même. Attendez, normalement je devrais avoir un, un truc là qui se passe. Bon, si je fais ça, ah, je peux pas le. Ah, je peux pas le projeter. Ok, bon, ben, on n'est pas sorti. Hein. C'était censé être super simple. Attends, il y a une différence entre ça et ça. Sérieux Ah oui Oula Ah ouais d'accord, ok, à savoir Bon, très bien, alors donc quand on fait du shit metal, il y a une différence... Oh je vais mettre un peu plus quand même parce que... Il y a une différence entre euh, les deux côtés. On ne peut pas projeter des deux côtés. Et alors du coup, ça veut dire que est-ce que si je fais ça, ça, ça marche ça Bah, écoutez, ça, ça fonctionne. Et donc si je fais ça, euh, non, interface, outside. Voilà, merci beaucoup. Voilà. 47 Ok. Hey, un peu de gueule quand même. Hein. Voilà. Et donc maintenant, est-ce que je suis aussi bloqué ouais, J'ai l'impression qu'en fait, les outils pour le sheet metal sont pas compatibles avec les outils pour solide. Bon, écoutez. Je m'en fous, de toute façon, tant que ça fonctionne. Hmm. OK. Bon, alors, par contre, il faut que je fasse une symétrie de ce coco-là, maintenant, parce que le carter latéral 2, il n'est pas bon. Hmm. Alors, on va revenir ici. Alors, euh, où est-il Mirror, Component, hein? Mirror, Plane, celui-là, ok. Oula 47, c'était peut-être... Alors, 47, c'était peut-être pas une bonne idée. Ah oui, là, par contre, en faisant un Mirror... Le souci, c'est que je sais, il faut que je sois sûr de ne plus rien faire comme nouvelle modification dans cette pièce. Ça, c'est un peu le truc euh, un peu chiant. Et alors là, pour le coup, j'en ai autrement aucune idée. Salut, King of Chouf. Euh, <laughs> pardon Alors, bon, vous savez quoi La symétrie, on la fait pas tout de suite, ça sert à rien. Par contre, il y a quand même un truc qu'on va changer. C'est que là, ça, ça me semble quand même très, 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 très juste. Donc, on va limiter les dégâts. Ok. Bon, bah ça c'est pas mal. Maintenant, il me manque ma plaque DD20. Mmh. Alors, euh, je coupe ça mon téléphone, ça sera beaucoup mieux. Euh, alors, ça, c'est check, c'est fait, on sauvegarde, on est content. Maintenant, il faut que l'on puisse enlever la plaque de devant. Et je me dis que la solution, finalement, ce serait peut-être d'utiliser des Meckerbim. Tant qu'à faire. Parce qu'on en a. Et de positionner deux Meckerbim là. Et puis on n'en parle plus quoi. Même si, euh, bon, ça fait utiliser des Meckerbim pour juste une plaque. Et du coup, j'ai sorti les caisses de Meckerbim. Parce que je ne me souviens plus exactement de tout ce que j'ai. Alors, j'ai des. mes de 40 normalement qui doivent traîner. Euh... Oula, ça, ça a été recoupé. Ça aussi. Ça, non. Et ça, ça fait pas 40, ça, ça fait 60. Ça, ça fait 60. Je pense que des 40, je ne dois plus en avoir beaucoup. Et ça veut dire qu'il me faudrait quand même 4 l'ensemble des deux robots et j'ai pas une folle envie de recommander des mecarbim donc euh, euh, soit je me débrouille avec mes 60 c'est aussi une solution soit je trouve une autre solution Pff, remarquez j'ai 4,60 donc une solution utiliser des mecarbim et des entretoises. Deuxième solution, utiliser. Et eh ben, et euh, eh ben, et eh ben, et eh ben, et eh ben, utiliser une, une pièce en impression 3D et des entretoises. Et en fait. Euh... Et en fait, je me dis que je vais peut-être faire ça parce que ce sera beaucoup plus simple. Alors. Euh... Alors, ça, ça va être ma ligne de construction entre... Euh, enfin qui représente l'épaisseur de mon acrylique. Voilà, donc mon acrylique, elle est posée là. Okay. Ensuite, on va dire que je positionne une entretoise entre ma plaque d'acrylique et euh, ma fixation. Mon entretoise. On va prendre un truc énorme, on va prendre une entretoise de 5, ce qui est déjà pas trop mal. Ok, donc là j'ai mon entretoise et donc après j'ai ma pièce. Donc hop la pièce. On va pas se fouler. On va faire une pièce de 10-10. Ouh, attendez. Réfléchissons. 10, 10. Hmm. 10, 15. Hop, voilà. Qu'on va extruder. Ah non, pas du tout. Que l'on va créer un nouveau composant. 10, 10. Voilà. Ouh, quelle est belle. Ouh, quelle est belle cette pièce. <laughs> alors un gros cube on va la bloquer pour le moment voilà on va l'activer, on va travailler dedans alors euh, bon, on va faire une pièce très simple hein, en vrai hop ah. ce zoom de l'enfer des fois sur Fusion quand même incompréhensible voilà voilà voilà. Ouh là non, pas du tout. Beaucoup trop. Voilà. En fait je fais une équerre, tout simplement. Parce que le problème, je vous montrer. Je ne sais pas si j'en ai. J'ai les écarts de MakerBeam. Mais. Ah, ça fait. Euh... Une taille euh, gigantesque. Si je mesure. Ouais, ça fait euh, 32 par. Elle est carré Enfin, allez, Ouais. Elle 33 par 33, quoi c'est euh, énorme donc euh, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus léger quoi ah, une petite pièce en impression 3D ce sera très bien on pourrait presque mettre des aimants mmh. mais on va pas le faire parce que parce que ce serait quand même vraiment overkill euh, alors finissons 7 ah bah oui bien sûr moins 7. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Euh, 4. moins 7. Voilà. Donc... Quand même l'isoler, parce que c'est quand même l'enfer sinon. Hop. Euh... Non, il n'y a rien à faire là. Juste un trou. 3.2. Hop. Ah, je suis en train de faire du Eagle, je compatis. <laughs> bah moi, ouais, j'aimerais bien euh, faire du Eagle ce soir, en fait, en vrai. Donc c'est un peu le sprint en me disant que je pourrais peut-être finir euh, ces pièces-là euh, pour 23 heures et puis après passer sur Eagle. Parce que ça serait quand même vraiment plus cool. Ah, d'accord, ok. Ça, ça éviterait que... Ah voilà. Que ça me fasse chier. Alors... Tac. Ça c'est fini, donc là j'ai une entretoise qui vient poète, je suis content. Euh, et de l'autre côté, eh ben, on va faire un petit trou. Euh, tac. Ouais, si vous me voyez faire ça, c'est normal. C'est juste que je ne vois pas mon clavier. Euh, 5, 5, 5.

me dépasse. Euh, oui, parce que ça débat sur Twitter, là, j'ai vu, là, avant de passer en live, sur euh, qu'est-ce qui, 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 qui est le mieux euh, entre le RS485 et le CAN. Euh, Je pense que... C'est plutôt une question de... comment De facilité de prise en main, quoi le 485 a l'air beaucoup plus simple à prendre en main que le, que le CAN mais d'un autre côté euh, le CAN est, me semble être beaucoup plus robuste et beaucoup plus sécurisé enfin bon, on parle de robot de la coupe donc euh, voilà quoi, faut, pas non plus, euh, faut pas non plus déconner euh, c'est pas euh, euh, j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression qu'on soit sur des niveaux de précision euh, euh, faux folle donc euh, bon Maintenant, c'est très bien de se poser la question. Mais personnellement, je ne me la poste pas. Ah, est-ce que j'ai des mmh. Hop Alors j'ai des petites entretoises. avec un filage et d'autres sons. Alors, on fait 5 6 7 8. OK. 8 8 OK. J'hésite Bon, je pense que je regarderai ça. Euh, en fait, j'hésite à entreprendre euh, une entretoise avec le filetage ou alors juste une entretoise femelle. En fait, soit mâle-mâle, mâle-femelle, soit femelle-femelle. Je ne sais pas encore. Je vais prendre une femelle-femelle pour le principe, pour le moment. Euh, et puis, on verra bien euh, ce qui fonctionne. Là, je le ferai peut-être. Euh, euh, <laughs> 4, 5 ou 6 ah bah Attendez, je regarde. Ah, 5. Super. Bon, bah, allez, on va prendre 6. Comme ça, au moins, si jamais il y a un problème, ça sera forcément. Hop, la précision. Bon, on est d'accord que là, euh, je fais surtout ça. Pour pas oublier de comment j'ai pensé fixer. Ce truc où oh, je l'ai mis mais tellement salement. Continue. Et oh, puis ça a servi à rien du tout en plus. Parfait. Parfait. Yes. Ok. Voilà. Et donc là, on en iso light. Nickel. Et du coup là, je vais avoir ma plaque qui va se mis... qui va être mise dessus. Parfait. Attendez, je ne me souviens plus combien j'ai mis là. 3. Oh, bah c'est parfait. Alors maintenant, on va aller se chercher. Voilà. Cela en M3 par 5, ce qui est largement suffisant. Voilà. Nickel. Euh, on s'en fout. Voilà. Voilà, c'est drôle, j'ai l'impression que les vis sont énormes, mais en fait c'est juste que je travaille sur quelque chose de relativement petit. Hop. Et on n'a plus qu'à fixer ça, et donc... Le filetage n'est pas complètement pris, donc j'ai encore de la place pour mettre une vis de 3, de 5. Donc c'est parfait. Et puis, ben... Alors là par contre, de l'autre côté, on va pas faire la même chose. Ce ne sera pas la même vis, puisque là j'ai 3. Là j'ai je ne sais plus combien déjà, ça va. J'ai 3 aussi. 6. Euh... Et bien ça sera du 10. Ah, oh, c'est chiant, ça faut... On revient au début. Heureusement que l'outil n'est pas trop trop lent parce que sinon ce serait vraiment relou de devoir à chaque fois tout réécrire. Bon, c'est déjà relou. Voilà. Et alors ce qui est bien c'est que comme notre pièce est symétrique on va pouvoir facilement la dupliquer pour en mettre un peu partout. Ah non, t'es sérieux là Avant ça, ça marchait. Hein. Ah oui, par contre, euh, j'ai pas fait le trou. Euh. Ok, c'est pas grave. Euh, on va masquer ça. Non mais à la limite, c'est pas plus mal. Comme ça. Ce sera à l'intérieur. On vient de sortir de 3. Ok, comme ça, tout est indépendant et je garde les pièces dans le composant. C'est parfait. Et donc là, bah du coup, il ne reste plus qu'à mettre un petit éclou. Oh allez Nil stop parce qu'on est, euh, est, euh, est quand même pas des nazes. Même si c'est vraiment too much. Hop! Nickel. Et voilà! Alors, avant que tout ça ne dégénère et qu'on oublie la moitié des trucs, il va falloir quand même que l'on fasse un petit trou euh, dans notre plaque. Euh, ça, c'est marrant, il <laughs> y a un utilisateur qui s'appelle Fan Caribou. Bonjour fan caribou du coup. <laughs> je sais pas qui tu es mais c'est drôle. Euh... Ouais on va euh... Tuk -tuk. faire le trou dans le carter parce que sinon ça c'est un coup à oublier et alors là... Et alors là ben on est marron, on aura fait une découpe pour rien. Alors comment je vais faire ça Est-ce que je projette ou est-ce que je ne projette pas euh... voilà nickel on va j'ai la grosse flemme oui voilà On bloqué. Euh, took all. Ok, impeccable. Poète poète. Voilà. Bon va bah, très bien ça. c'est très très bien. Et ben bah, du coup ça on va hop le mettre en dessous et ce sera impeccable. Et alors pour faire ça, euh, ben bah, on va pas se prendre la tête, on va le symétriser. Donc le truc que j'ai fait là, hop, on va faire un miroir par rapport à un plan que je n'ai pas créé, donc forcément ça va rien faire du tout. Hop. Je me suis planté. Mid plane Alors, c'est un peu dommage par contre, il, là où il y a un truc quand même que je regrette par rapport à SolidWorks, c'est que dans SolidWorks, on prend tous les éléments tchouc, et nous propose le truc le plus simple. Euh, le plus, le, les, les trucs les plus logiques qu'il peut faire avec les, les différents éléments pour les éléments de construction là il faut penser à ce que tu vas faire bon euh, c'est pas, euh, pas non plus la folie quoi mais euh, mais c'est vrai que des fois ah, ça serait quand même intéressant de pouvoir euh, deux objets ah, je ne crois pas non bah non ok pourquoi deux objets symétrisés je ne sais pas bon bref et euh... et non ouais de ce côté là de ce côté là c'est vrai que c'est pas trop mal euh... alors renommé ah. Eker euh, équerre. Eker équerre. Carter et voilà et lui on va le ah j'ai encore des réflexes de clavier Mac ça c'est horrible on va le dupliquer J'adore. trop bien. Ah, et zo. Et alors là, ça marche. Tiens, c'est étrange quand même. Non, stop. Que fais-tu Attends. Oui. Hop. Voilà, merci, voilà ce que je voulais faire. Ok, construction, ça on a plus besoin, j'ai mes deux trucs. Ok, nickel. Ok, impeccable. Bon, bah, ça avance. Alors juste pour référence, je vais mettre l'autre même si de toute façon ça n'a aucun sens. Mais bon. Euh, donc, je vais avoir la même chose de l'autre côté, ça c'est parfait, clac, clac, clac. Et donc, maintenant j'ai besoin de créer juste la pièce qui vient là, et on aura terminé. Alors, est-ce que j'ai pas fait de bêtises Non, ça ne pas l'air. Ok. Ça ne m'en a pas l'air. Alors. Euh, on va créer un plan ici. Hop. Je vais mettre là. Voilà. Un petit rectangle des familles. Ok. Ok, donc là, ici, on va se mettre à 100 moins euh, bah, 6. Donc ça se vingt 94, effectivement. Là on va se mettre aligné. Non, aligné. Bon, ben voilà, c'était l'erreur. Et ici, pareillement. Voilà. Euh, ensuite, est-ce qu'on fait directement les trous et on les... Oh, est-ce qu'on fait les trous de vis Faisons, allez, faisons. Euh... Allez si si on est un Par contre ouais, non ça va être chiant si je fais ça ouais, il, veut pas. il veut pas que je le centre ok bon on va le faire à la cote c'est pas grave, euh, non pas du tout. Euh... Mais attendez, à la cote, euh, ça veut dire que là j'étais à 10. Ouais, 6,5. C'est moyen à la cote quand même. J'aime pas trop beaucoup ça. Oh j'ai pas envie de faire une symétrie. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ah oui alors par contre là. Euh, 8. Et voilà. Euh, bah si je vais quand même devoir faire une symétrie. Quand même ça devient vraiment dégueulasse on va reprendre deux éléments j'ai l'impression de prendre les mauvais, euh, les mauvais les mauvaises références donc on va cacher les équerres hop mirror line, on les met là impeccable, on a nos deux trous c'est super ok euh, donc, j'ai la plaque devant qui va être faite. Il me restera plus que la carte électronique que je ferai après. Ok. Alors, dans l'autre sens, mon coco Moins 3. Voilà. Alors, non, pas de join. Je vais nous faire un nouveau composant qui va s'appeler. Alors, toi, tu vas. Day. Tu vas gronder aussi, toi, pour éviter que ça parte en sucette. Carter Elec. C'est parfait. Hop là. Alors, mon carter est là. On va... Voilà, enlever tout ça. On va déjà lui faire ses petits 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 chanfreins Jusque-là, ça se passe pas trop mal. Hein. Euh, oui, c'est ça. Hop. Et bien ben bah voilà. Et donc maintenant... Maintenant qu'on a nos R... notre carte ERIC, on va pouvoir créer euh, notre, euh, comment euh, notre carte électronique. Alors ce qu'on peut faire, c'est reprendre ça, à la limite. Reprendre cette vis là. Juste mettre la vis. Je ne sais pas très... intéressant mais bon, au moins ce sera fait le, le niveau de zoom dans Fusion est un est un vrai problème je trouve voilà bah là j'ai perdu mon niveau de zoom voilà et là on va faire la même truanderie que de l'autre côté on va pas le faire par rapport à ça on va le faire par rapport à ça voilà et on va retirer de 3. J'aime bien faire ça parce qu'en fait comme ça je peux cacher la plupart des, euh, des éléments de de et de, 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 de fixation comme ça assez rapidement euh, sans avoir besoin de me prendre la tête. Et je garde quand même la structure globale du truc. Ça me permet de simplifier en fait des modèles assez rapidement. Voilà. Que, par exemple, là, je peux, euh, ah ben non. je peux enlever ça, voilà, qui me permettrait de d'alléger mon modèle et sans pour autant euh, euh, comment dire effacer la plupart des choses intéressantes donc c'est euh, quand même assez pratique parce que les visseries c'est beau mais ça prend de la place bon alors du coup euh, ben, je peux faire une carte ici et puis surtout ben, j'ai la taille de la carte du coup, c'est quand même pas mal. Et après, on reviendra de l'autre code. Euh, on partira sur Eagle. On fera euh, la carte électronique et on reviendra après sur Fusion, histoire d'intégrer en fait ici les perçages pour euh, éventuellement des LED ou euh, des, euh, euh, des potentiomètres, etc. Enfin bref, tous les équipements qui euh, ressortiraient en fait du, du carter. Et je suis désolé, je vais devoir me remoucher. Mmh. pas dans une forme extraordinaire mais bon ça va le faire euh, ok alors oh là là attendez j'ai un vieux doute alors on va faire un truc très rapide c'est qu'on va faire juste une forme de carte à la con alors, on va juste faire ça j'ai peur ah voilà c'est bien ce que je me disais The does not currently support synchronous une infusion assembly in Ah oui, ça veut dire que là, regardez, là j'ai ça et ça qui sont des composants qui sont liés. En fait, ça veut dire que c'est des composants qui appartiennent à un autre assemblage. Du coup, ce qu'il est en train de me dire, le coco, c'est que ben euh, en fait, lui, il peut pas euh, réaliser en fait deux cartes électroniques dans un, euh, en tout cas, pas encore dans un euh, comment dire, euh, assemblage euh, dans lequel il y a des composants liés. Donc je devrais les délier. Alors, est-ce que ça a un impact Bon, ça et ça, clairement pas. Ça non plus. Ça non plus, c'est le même. Il y a juste le servomoteur, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas trop de risque. En fait, euh... ouais. voilà. ce qui peut se passer, c'est que. Euh, bon là, euh, je prends pas un gros risque en essayant de les euh, de les, de les splitter. Mais, euh, mais si vous aviez des éléments qui potentiellement de, allaient être mis à jour par la suite, et eh ben là vous êtes marron. Donc vous êtes obligé de faire votre PCB euh, sur un autre modèle et après de l'importer dedans. Ce qui est un peu moche au final parce que c'est intéressant de pouvoir faire cette PCB directement là et pouvoir avoir ces son, son, éléments directement dedans. Non, moi je vais, je vais bon. De toute façon, ça c'est sûr que ça bouge pas. Il euh, n'y a vraiment pas d'intérêt. Oula! Par contre, ça va alourdir énormément mon. Non, ça va. Et parce que du coup, ça, ça fait comme si euh, je les avais euh, reconçus à l'intérieur de du, de l'assemblage. Donc, c'est quand même assez lourd. Mais bon, tant pis. Hein. Euh, ça et ça. Euh, break link, c'est pareil. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas cette fonctionnalité quand même, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ah ouais, du coup, il. Bon, ça va, c'était bien... bien contraint. Ok. Et là, c'est celui-là qui me fait le plus peur parce que celui-là est vraiment très très mal fait. Le monde tambour. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller. Et là, normalement, je dis bien normalement. Ou, oui, ça marche. Ok. Ça marche. Euh, donc, très bien. Ouf. Ah oui, mais non. Alors, attendez. Ça, c'est quoi ça? Oui. Donc, je peux faire ma carte. Alors, euh, je vais masquer les Maker Beam. Je vais masquer ça. Ça. Ça, je vais le garder. Et ça, je vais le masquer. Ok. Hop. Hop. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas centré Et... et... Ouais. Euh... Il faut des choses assez perturbantes quand même. Ouais. Oui D'accord, parfait. Ah. Ok. suis un peu au bluff là. je dois vous avouer que je suis un tout petit peu au bluff euh, voilà 5 5 pourquoi pourquoi pas là je ah oui, non, par contre, là, ça fait beaucoup. Écoutez, moi, ça me ça me convient tout à fait. Ah oui, ah, par contre, lui, il... il me fait chier. Oui, d'accord. Ok, voilà. Content. Très bien. Hop. Il va me faire le coup à chaque fois ou... Parce que quoi Parce que je lui supprime un élément de... Ah gentil ça. Voilà, merci. Ok, et donc là, je vais pouvoir faire mes quatre perçages pour ma carte. Hop 4, égal à 3.2 voilà parfait donc j'ai ma carte électronique mes perçages poète, poète, etc etc c'est parfait j'ai quand même c'est ça fait ça fait une immense carte attendez laissez moi vérifier quand même parce que ah, c'est une fait une carte qui fait 72 par, ouais, par 50 pas mal. Pas mal. Juste pour gérer un servomoteur, c'est pas mal. Ben, ça va me changer. Généralement, j'ai pas de place sur mes cartes. Mais là, là j'ai masse de place. Euh, non, mais c'est vraiment trop, trop, trop grand. Euh, parce qu'en fait, sur cette carte-là, il va pas y avoir grand-chose. Il va y avoir allez, un microcontrôleur euh, pour gérer euh, la, les deux capteurs, euh, le servomoteur, un potentiomètre du servomoteur. Euh, les entrées sorties qui vont permettre de, de commander le, la balise quelques lettres d'état bah, bref il euh, n'y a rien quoi tu peux ajouter un chenillard de LED. ah bah ouais ah bah oui la grave je peux même ajouter un écran pour indiquer euh, la distance et euh, l'orientation en temps réel à ce niveau là oh non, je déconne. Euh... Ah, du coup, j'hésite. Est-ce que je fais une carte plus petite Et du coup, on met juste le. Oh, tu sais quoi On va la laisser là, comme ça, elle est bien. Et puis, on verra si c'est ridicule ou pas par la suite. Parce qu'en fait, je n'ai pas encore vraiment décidé ce que je vais mettre sur cette carte. Je sais ce qu'il faut que je mette au minimum. Mais en général, après, je fais hmm, Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre J'ai de la place et tout. Voilà, c'est plutôt cool. Donc, allez, hop, create 3, oui, très bien, magnifique. Euh... Finish PCB, ok. Et là, je vais juste reprendre le sketch ici, le réafficher, comme ça on fait tout de suite les trous, les fixations, tout ça, on est tranquille, et on aura fini avec la méca de ce système, et ça fait du bien, parce que. J'y ai passé beaucoup de temps, je trouve, pour pas grand chose. Ça devait être juste, <laughs> je sais pas si vous vous souvenez de, du début du, du live, j'avais déjà commencé à travailler dessus et j'avais dit, non, mais en fait, ça doit être juste un, un élément, mais, ça ne pas glisser, ça doit être juste un élément euh, qui on sait que ça fonctionne, euh, on fait de la, on fait ça vite fait, et puis euh, comme ça on est tranquille, et euh, on a un truc, euh, ouais, sauf qu'en fait, euh, non, pas du tout, euh, c'est en train de devenir quelque chose de super gros. Et, j'aime pas ça. Alors, je veux, voilà, je veux cet élément là. Euh, Cartelec, Très bien, on va se mettre là-dedans. On va en mettre 3. Euh, non, 4, pardon. 1, 2, Voilà, je vais pas me faire chier avec les vis parce que du coup j'ai des, euh, des entretoises spécifiques pour ça. Donc euh, euh, qu'est-ce que je fais Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Voilà. Bah ben alors. Oh Ça n'arrive pas souvent ça dit non J'ai un genre de, de retard sur le calcul de. Je pense que le live. Plus l'enregistrement, il y est peut-être pour quelque chose, mais ça fait quand même un peu peur. Voilà. Poète. Ah. ah C'est une blague Je peux pas bouger la... Ah oh, non. Ah, en fait, damnation, sérieux quoi On peut pas bouger le PCB. Le PCB, il est fixe. Mais non. Mais non. Non, regarde, si je fais ça et ça. Ah, tu plantes. Ah non, c'est pas vrai. Ok, donc ça c'est plutôt nul ça. Alors on va revenir, on va revenir ici. On va créer un truc avec un offset de 10, de 10, mais pas du tout. 10 c'est beaucoup. De 5. Voilà. Ok. Ensuite on fait ça. Ensuite on lui dit, eh ouais mais en fait non Coco, je vais changer plane et je vais le mettre là yes oh j'aime pas faire ça ok là bon je sais pas ce qui se passe là on est d'accord là on est encore d'accord là on est d'accord oh la vache Attends, ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais mon dieu on peut pas bouger les cartes quoi ça c'est nul ça nul 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 et surtout c'est nul mais c'est la première fois que je, je, je suis confronté à ça quand même voilà. alors nous l'appellerons pcb euh, balise ma bah, plutôt parce que c'est pas la balise voilà Et oui, on a fini Alors on a fini, on a fini oui, oui et non. C'est-à-dire que si je réactive les trucs qu'on a fait, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, on a tout notre système, on a notre carte électronique, pour être, pour être, on est content, ça s'est fixé, voilà. Et on a une plaque de carter. Et maintenant, voilà, devant vos yeux et Bobby. Hop. Component, mirror, poète, voilà, et alors là on est quand même relativement content, moi je trouve, voilà, c'est pas fou fou, mais voilà. Alors, voilà, je vais même vous dire, dans les objets, on va même carrément, allez, allez rechercher. Ça parce qu'on est des tarés, voilà. Alors par contre, euh, juste on va les Voilà, bon, bah voilà, nickel, impeccable. Ouf, Attends, je pensais pas que j'allais galérer autant que ça, mais c'est fait très bien. Magnifique, Sauvegardons ça. Ok, alors maintenant, je pense que on est pas mal. Bon du coup, j'ai pas mis les vis partout, j'ai pas, j'ai pas, pas, pas mis toute la visserie. Non, j'ai carrément pas mis la visserie en fait. J'ai mis que la visserie qui m'a arrangé. <laughs> euh, mais, mais on n'est pas trop mal. Maintenant, eh ben maintenant, 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 on va aller ouvrir Eagle. Ouais, chouette. Eagle est ouvert. Ok. Eh bien, on va créer Eagle 4. Et eh oui, Eagle 4. Euh, j'hésite je, 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 à gueuler dans le micro, mais ce ne serait vraiment pas gentil. <laughs> ah, j'hésite! Alors, euh, oui, alors, ici, on va créer un nouveau folder et on va mettre PCB ma balise. Voilà. Et ici, on va faire un new project. PCB, ma balise. Parfait. Et alors, ah, par contre, vraiment, je n'ai aucune idée. Voilà. File new schématique. On va le regarder tout de suite. Et eh bien, même chose, PCB. Ah. Balise. Oui Et voilà, c'est arrivé là. Eagle 4 Eagle 4. Comment ça, Eagle 4 euh, Non, euh, Eagle euh, 9.5.1. Eagle 4 C'était il y a longtemps, ça, quand même, Eagle 4, monsieur Poppy. Ou alors c'est moi qui. Regarde, Eagle 4. Oh, <rire> <Alors> <rire> ok, ok, ok. Non mais non mais très bien, très bien. Euh, Eagle 4. Mais euh, ouais, Pff, oh là 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 là, oh là 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 là. Vous savez que là c'est dur là. Euh, c'est dur, c'est dur. Bon, euh, bah c'est très bien. Euh, on est devant... Oh mon dieu. Excusez-moi pour vos oreilles, j'ai dû taper de, dans, dans mon micro. C'est moyennement pratique quand même, ce système. Euh, alors... Comment vais-je faire ce système J'hésite énormément. Plusieurs solutions. Soit je me la joue... Euh, très très euh, très très simple et je prends genre je sais pas un Arduino euh, un Arduino micro ou un tinsi 2.0 ou je sais pas quoi en tout cas un chip très simple euh, pour piloter le truc soit je pars sur Genre, je conçois carrément une carte avec un microcontrôleur dessus, voilà, avec tout, tout, tout ce qu'il faut dessus, je saute tout, voilà, voilà. Pas, de, pas, de, pas de board quoi. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, encore une fois, euh, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de très simple. STM32 Non 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 <laughs> Non Arrêtez avec vos STM32, bordel. Euh... Franchement, ça se fait... Bah, en fait, oui. Moi, je pense que tu, tu, tu voudrais que je le fasse pour regarder ce que je fais pour pouvoir le refaire derrière. C'est pas ça que t'es... C'est pas ça que t'es en train de faire, là, en fait, tu rigoles, King Justement, du, du STM32 Oh là là, non, je vais pas partir sur du STM32, ça c'est sûr ça c'est sûr, par contre, euh, un petit méga euh, ce, serait, ce serait intéressant. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas envie de me faire chier, parce que j'ai tellement d'autres trucs à faire. Donc, euh, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, euh, pendant que je, je réfléchis et pendant que vous m'envoyez des informations sur le, sur le live, euh, sur ce que vous voudriez. Ah, tiens, Arduino Nano. Oh bah ça c'est rigolo ça, comment ça se fait que ça arrivé là hein. euh, Le temps que vous me disiez, eh hey, ça ça serait bien, ça, ça serait pas bien, etc. Moi je commence à faire mes petites affaires. Si vous voulez... Ah, bref. Qu'est-ce qu'il me dit Ah <laughs> yeah. Je peux le montrer King ou pas Ce que tu es en train de faire il vient de m'envoyer un message sur Discord. Regarde sur Discord. Oui, je viens de le voir. Est-ce que je peux le montrer à la caméra Il y en a. Ah, ah Ah Voilà. Il est en train de faire du, du STM32. Aussi. Oh, t'as pris le petit Kiki Le petit Kiki, le petit Yuki Et attends, tu le programmes Attends, c'est quoi cette version-là Ok. Ok. Faudra que j'aille voir ça. Il n'y a pas de copyright. Ouais, ça, ça a l'air relativement. attends, je, je le remets. Ça a l'air relativement simple. Après, il euh, y a 20 pins. Tu le programmes. Celui-là, il se programme comment Attends, STM32F04. Genre euh, c'est l'ICSB là, tu, tu viens pas du tout le, le taper en USB. Bah, J'imagine que c'est pas fini, oui. <laughs> Avec les pins SWD. Je connais très peu hein, le STM32, donc... Euh... Ok, ok, oui, ça a l'air un genre d'ISSP, quoi. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, bonne information. Euh, alors, je vais avoir besoin d'une broche. Ça, ça va être pour mon cerveau moteur. hop, hop, hop. ok. Ensuite, je vais avoir besoin... Excusez-moi, on a Link USB en on programme avec elle, comme on a fait en cours. Ok, ok d'accord, ça marche. Je vais avoir besoin de deux... Deux comme chaud Qui ça, ce sont mes... Ah, ce sont mes capteurs. Capteur one. Ah oh bah tiens un capteur avant, un capteur arrière, comme ça au moins ça sera fait. Bon, c'est sûr que ça sera changé et modifié et trois fois remodifié dans le code, mais moi on pourra pas dire que je ne l'ai pas prévu. Euh, ok. Alors... Euh... Ou alors un TNC 3.5. Non, je déconne. Euh, euh... Qu'est-ce que je fous là moi ça que je cherche, euh, c'est pas ça non plus. Ouais. Alors, comment je l'ai appris, Ah oh non, mais dites pas que. Ah, je cherche un, un potentiomètre. Oui, il y a le capteur de position aussi, mais avant ça, j'aurais bien voulu trouver le potentiomètre. Que je l'ai plus. Ah non 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 non. non. Euh, bon, bah, je vais avoir besoin de LED. Alors oui, je vais mettre des LED, des LED, des LED en traversant, tout simplement, parce que j'ai envie qu'elles euh, se voient de l'extérieur et, euh, et que j'ai envie de faire des petits trous dans mes, dans ma plaque en acrylique. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, ce sont des LED. Alim, tac, 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 tac. Ok. Euh, le capteur de position. Alors le capteur de position, qu'est-ce que je vais faire Parce que le capteur de position, en fait, ce que je vais, ce que je, je, je pense faire, c'est utiliser le potentiomètre du moteur. Donc je vais avoir qu'une seule broche. Au final. Donc, voilà, maintenant que je réfléchis, mon poten, mon... mon connecteur cerveau, c'est un connecteur. Quatre broches sur lesquelles je vais rajouter. Ah, c'est euh, ça, c'est moche ça. Sur lequel il est dégueulasse celui-là du coup. Sur lequel je vais rajouter mon connecteur euh, de euh... du potentiomètre. Ok, donc. Là c'est bon. Et ah oh, putain mais par contre le... Oh le potard ça va être chiant ça a retrouver ça euh, Bienvenue dans l'enfer des librairies de... Oh là là là, est-ce qu'ils l'ont pas dans la... Dans la librairie là. à tous les coups, non c'est mes connecteurs, ça c'est les cristaux Oh, ils ont fait un TRV, 83 8302. Oh, c'est cool. Uh, LED, MK, um, MSFET. Um, so, um, so, 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 so. Oh mon dieu. Ah non. Alors. Uh, tu fais en traversant uh, Oui, pour certains trucs, oui. oui alors par contre, uh, non, mais uh, oui, t'as raison uh, d'ailleurs. Euh, où est-ce qu'ils sont mes résistances là-dedans Où es-tu Résistance, merci. Hmm. Voilà, euh, 1206. Euh, on va prendre les 1206 fab. Voilà, ça par contre, les résistances, ouais, je ne vais pas me faire chier. Ce sera du, euh, du CMS. Hein. Mais les LED, oui, je vais les faire en traversant puisque je vais faire des trous dans la, dans mon, dans mon carter. Euh, alors, RCL. Est-ce que je vais le retrouver RCL. Potentiomètre. Tiens, ah, c'est marrant, ils ont mis des nouveaux. Oui. Par contre, il y a toujours pas le potentiomètre avec du 3D et ça, ça fait chier. Hop, c'est bon. Ok, donc là on est pas mal. Maintenant, il faut que je retrouve... Alors est-ce que par un très grand hasard Ah oui, mais alors Arduino peut-être. Ah j'ai le nano. C'est chiant. Quoique de mémoire, le nano et le... Les micros ont le même. Ah. <laughs> Parce que j'ai des micros en fait dans mes dans mes trucs, j'ai pas envie d'en racheter non plus quoi. Pas me faire euh, 15 milliards de oh. Alors, bah, c'est parti. Hop. le grand euh, le grand jeu de il faut que je trouve oui euh, eagle Arduino micro et alors là j'espère qu'ils ont fait oh ça ça a l'air bien ça eagle Arduino micro 6 ans mon dieu. Mon dieu, vous sentez le. Vous sentez que ça va pas le faire. Dupliquer. Ah, ah. Merci. J'avais plus le, le nom en tête. un euh... au micro. Pas sûr. Sinon j'aurais été chez Snapeda, mais je me suis dit peut-être que les internets vont me donner tout de suite. Et ça c'est vraiment mieux. Ah merci beaucoup Arduino Micro. Euh, compare Price. Par contre, il n'y a pas de 3D. Ça c'est con. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre avec un 3D Il n'y a pas de 3D. Bon bah on se passera du 3D alors. Oh la vache. Les gars, vous avez vraiment fait un 3D de ça. Ok. Free download. Ah oui, mais il faut que je crée euh, mon... Ah oui, merde. Attends. Est-ce que chez Snapeda, je ne vais pas le trouver. Ça sera quand même peut-être plus simple. Euh, ouais. ah, C'est fou de pas que je l'ai pas dans mon truc. Euh... C'est dommage, ils n'ont pas le, le, le 3D non plus. C'est pas grave. Euh, c'est quoi la différence La différence, c'est. Rien ah, du tout. Allez. Euh... Oui, download footprint, download simple footprint. Pour Eagle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais. Quoi Attends, il me lance une deuxième instance d'Eagle pour. Oh là là c'est très sale. Très sale quoi, vous faites. Hein. Mon dieu, alors. Là, c'est pas mal. Alors, par contre, je vais devoir me mettre à côté parce que je vais accéder à un autre compte. Alors, on va aller ici dans mes librairies euh, View on Web. Voilà. Code Téléchargement. Hop. Oui. Très bien. Ah, ça c'est quand même vachement bien. Euh, et donc, ouais, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas le 3D. Alors, est-ce qu'on est, qu est joueur Et est-ce que du coup, si je vais sur euh, Library Manager, Library Manager, News, Play label Yes. Voilà. Très bien. Maintenant, je l'ai. Et est-ce que j'ai la possibilité de 3D package de modifier. Ah, mais c'est View on Web. Ah, comment j'avais fait la dernière fois J'avais... Alors, si, je me souviens. Maintenant. Ok. Bon, voilà. Hop. On va choper le coco, on le met là, hop, on est content. Et ensuite, euh, c'est voilà, Edit 3D, yes. Et alors, peut-être que par le plus grand des miracles, il y a un modèle de Arduino Micro. Euh... Qui a été généré parce que ça, du coup, c'est mes modèles à moi. Mais euh, si je vais dans public modèle, Arduino micro, eh, dommage. Arduino Ok. Du coup, il faut que je fasse un step du, du composant. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, par contre. On va créer tout de suite le truc et on va euh, link next. Oui, c'est moi. Oh, mon Dieu, les gens, voient mon nom. Oula, par contre, euh, tellement le bordel. Mais où es-tu Yes, yes, yes. Oui, oui. Ah. Pour from fusion, Ah pardon, pull, pull. Comment ça, tu t'appelles pas vraiment Ah <laughs> eh Ah non, eh non. Je ne m'appelle pas vraiment Barbatronic Live. Encore moins Barbatronic Live. Barbatronic à la limite, mais. Peut-être devoir changer mon... mon nom sur ma carte d'identité, du coup. Oui, eh hey, mais c'est pas si grand que ça hein <laughs> Parce que ça ça, ça, ça prend une place de ouf, en fait. J'avais un peu zappé. Bon, après, ça va. Hein. C'est bon. Les lettres, de toute façon, elles sont de l'autre côté. Elles sont, en... elles sont elles sont... elles sont, sont, elles sont, de l'autre côté. Donc là, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est pareil. Live, c'est pas ton nom de famille. J'ai eu plein de lives. Je pensais que vous étiez frère. <laughs> c'est vrai que <laughs> si tu regardes les, les, les noms de streamers, il doit y avoir beaucoup de lives. Effectivement. Et ça c'est pareil, ça ça va être de l'autre côté donc ça va être hyper facile. C'est moche de mettre une arduino sur une carte. Oh, tu parles. En plus la place que ça prend pour rien. Ah il là, ça prend beaucoup de place hein. Effectivement j'avoue, j'avoue j'avoue. Mais j'ai tellement pas envie de me faire chier là. Oh là là. Ça pour le coup. Mais en fait ce qui va être cool c'est que de toute façon moi je m'en fous c'est que je vais euh... Euh, je vais hop, prendre tous ces trucs là, les passer de l'autre côté, et voilà, on n'en parle plus. Du coup, ça veut dire que je peux même faire ça. Si je et ça c'est beau, et ça c'est très très beau. Alors. Euh... Capteur avant Ok, d'accord. Bon, on va déjà mettre nos alimentations. C'est ouf, à chaque fois... À chaque fois... Je cherche une librairie. Et je ne la retrouve jamais. Si ça se trouve, je ne l'ai pas rajouté. Il devrait pas mettre autant de librairies. En plus, à chaque fois, je passe un temps fou à les enlever. Et le problème, c'est que systématiquement, chaque nouvelle... Euh, bon, tant pis, je vais prendre la supply 1 hein, ouais, supply 2. Euh, chaque nouvelle mise à jour, et eh ben c'est la même chose, ils me refoutent. Toutes mes librairies et c'est l'enfer alors commençons par les masses j'ai mis deux soirs à faire la mienne ouais ben tu sais quoi la prochaine fois que tu vas faire une mise à jour et eh ben tu peux refaire tu peux tout refaire parce qu'il va te re-sélectionner les mêmes librairies à la con, et à chaque fois tu vas te faire avoir, et à chaque fois tu vas devoir tout recommencer. Et c'est chiant! Est-ce que quelqu'un dans le chat aurait une autre solution? À moins de faire notre... sa propre librairie, mais ce que je fais déjà, mais Il y a quand même des trucs, honnêtement. Euh... Enfin, quand même, quoi. Alors. Hop. 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 Ah. C'est pas pareil, c'est pas symétrique, mon Dieu. <laughs> ah là là là. Mais c'est pas vrai. Ok, voilà. Clac. Clac. Euh, bon, on... capte avant, allez. Voilà, nickel. Euh, ici. Je vais devoir mettre. Enfin, je vais devoir. Genre un detect ave, detect ave. Voilà. Bon, ici, detect ar. Voilà. Donc ça, ça sera juste une lumière pour me dire, eh hey, ça a détecté à l'avant, ça a détecté à l'arrière. Voilà. Euh, maintenant, ici. Euh, toc, 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 toc. Ça, par contre... Salut le dam dame dame! Ah, J'ai eu du mal à comprendre ton, ton commentaire, euh, King. Non, non, il n'y a pas de LED. Il euh, n'y a pas de LED pour, le, pour les commentaires de, de prog. C'est chez vous, ça, qu'il faut rajouter ça. Le dame, dame, tu fais quoi en fait Eh bien, écoute, nous avons réalisé un, une, un mat balise pour euh, le robot de la Coupe de France de robotique qui est là-bas, pour celui 2020, avec deux capteurs avant-arrière et puis un petit servomoteur à l'intérieur. Et puis là, en fait, si tu veux, on a euh, fait la carte euh, verte là, qui est le PCB qui va piloter l'ensemble, qui doit envoyer à euh, mon robot. Euh, s'il détecte quelque chose euh, quel angle il a détecté euh, et euh, comment euh, euh, et s'il faut le prendre en compte ou pas et donc du coup hop là on est sur la où là j'étais trop loin on est du coup sur la carte électronique euh, on commence juste, voilà, c là c'est le tout début quoi, on, on fait des trucs un peu, euh, un peu simples, on fait du, du connecteur là pour l'instant, de toute façon il ne va pas y avoir grand chose de super intéressant sur cette carte, ça sera très probablement que du connecteur, donc, euh, donc voilà, voilà on, en est, euh, on en est à la phase où euh, on ne réfléchit pas, pas beaucoup, euh, et euh, où on met juste les informations nécessaires sur les connecteurs. Et donc là, par exemple, on va mettre euh, signal cerveau. Voilà. Et là, on va mettre orientation. Alors, signal. Orientation, allez, c'est vraiment très, très moche ce que je fais là. Alors, bah, pour, en fait, pour le ici, pour la 3D, c'est du Fusion 360 de chez Autodesk, euh, et pour euh, l'électronique, c'est aussi du, de l'Autodesk, donc c'est du Eagle. Voilà, Eagle, et là, je suis sur la version 9.5.1 qui doit être la dernière version parce qu'il ne m'a pas engueulé quand je l'ai euh, lancé. Donc je suppose que c'est bon. Euh, je suppose que c'est bon. Je pense que c'est la dernière version. Alors à laquelle je parle. Ok, donc on a le signal d'orientation. A... Ouh Ouh que j'aime pas ça. Tiens ici toi. Oh, là c'est moche ça, ça, ça. Pourquoi je l'ai dans l'un sens et pas dans l'autre Alors ça, c'est très très étrange Ok, bon, c'est pas grave. Ok, donc là, on est bien. Euh... C'est déjà un petit peu le bordel. On va mettre les lettres de ce côté-là. Voilà. Maintenant, nous avons des potards. Euh, et ben, du coup, les potères... Les potères <laughs> Oh là là, là là Je trouve qu'il a un peu de terre, en fait. Oh là 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 là. Il de plus en plus moche. On va en mettre un pour la vitesse du cerveau dans mes aïeux j'ai tout mis en français bon moi j'ai tout mis en français j'aurais mis speed mais là ça sera vitesse cerveau un ah voilà trop bien euh, on va en mettre un deuxième pour euh, pourquoi d'ailleurs alors pourquoi Oui. Oui. Pourquoi on va en mettre un deuxième Moi je proposerais pour le euh, débattement. Euh, comment on va appeler ça euh... Ah, est-ce que je vais avoir besoin... De... Qu'est-ce que je vais avoir besoin de régler Est-ce que je vais avoir besoin de régler le point zéro ou le débattement En fait je vais avoir besoin de régler les deux. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de régler ça directement sur la balise Parce que c'est plus rigolo. Parce que c'est plus simple. Ça m'évite d'avoir à le faire par code. Je me parle tout seul. C'est pas normal, je suis en live. <laughs> euh, débattement, débattement. Euh, parce que la balise, elle va faire gauche-droite. Ce qui est intéressant, c'est la plage. Et puis le 0 quoi. Et après... Oh bah, vous savez quoi J'ai l'impression que je vais en avoir besoin de 2 de plus. Donc on va mettre signal 2, signal 1, signal 2. Et puis je déciderai, au moment de... Comment de... Bah ben de coder, ce que j'en ferai. Parce que... Parce qu'en fait, euh, voilà, y a pas beaucoup de... Si ça se trouve, je ne besoin... vais pas en avoir besoin. Si ça se trouve, je vais en avoir besoin de un seul. Si ça se trouve, ça va changer de, euh, de... de fonction en fonction du code que j'enverrai. Donc. Ah, Signal2. Signal non, toujours pas. Parce que c'était pas ça qui allait pas. Hop, voilà. Voilà. Bon, j'ai tous mes signaux. Ce qui est plutôt bien. Tout mon signe. Ok. Et donc, maintenant, il faudrait que je route ça dessus. Mais avant... est-ce que c'est le bordel Ah, oh, ça va. Ah, oh, ça va. Ça va. C'est pas encore trop l'enfer. Mais avant. Peut-être qu'il faut quand même que je réfléchisse et ça, ce serait pas mal, à comment je vais lier ma balise à, euh, à mon, euh, bah, au reste de mon robot, en fait. Qu'est-ce que j'envoie comme information au reste de mon robot euh... Il y a deux choses, il y a, il y a, il y a plusieurs informations qu'il faut que j'envoie au en robot. C'est, demain est-ce qu'il y a eu quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un devant moi ou derrière moi d'ailleurs. Donc est-ce que j'ai quelqu'un devant moi ou derrière moi Et à quel angle voilà. C'est juste ça que la balise va, euh, va m'envoyer. Euh... Soit je le fais avec un protocole de com. Genre avec un, je sais pas, une liaison série ou quelque chose comme ça. Soit je fais quelque chose de beaucoup plus complexe euh, en I2C ou avec autre chose. Mais bon, de toute façon, comme j'ai euh, déjà de l'I2C dans, euh, mon, dans mon robot, euh, je me dis que c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Je pense que je vais faire de la transmission. Je vais faire du série mais je vais pas faire que du série. Je vais aussi envoyer euh, je vais aussi euh, comment dire avoir une patte qui dit j'ai quelqu'un ou pas. L'idée c'est de me dire euh, il faut absolument que mon microcontrôleur, quand, euh, quand il va voir quelque chose, il euh, y a une patte... Euh, voilà, qui, dès qu'il voit, qu voit que cette patte là elle passe à 1 ou à 0, il sait qu'il y a quelque chose. Et donc du coup il sait qu'il faut qu'il lise euh, la liaison série et faut il faut qu'il vérifie quelque chose. Comme ça, ça me permet d'être un petit peu plus euh, rapide sur le traitement. Je pense que c'est pas mal. que c'est pas mal parce que l'I2C ça va être long, ça va être chiant. Euh, je vais avoir besoin de deux pattes. Et surtout ça va être sur un fil donc j'ai pas trop envie de faire passer l'I2C dans un câble. Euh... Parce qu'il faut bien se dire que ces informations là, elles vont être envoyées. Normalement elles sont envoyées. Euh, au microcontrôleur qui gère le comment dire le déplacement euh, et en fait sur ce microcontrôleur là qui gère le déplacement il euh, y a déjà des entrées euh, pour mettre euh, un capteur de position et les deux capteurs de euh, avant arrière mais euh, je sens que c'est le moment euh, ou ben bah, je dindonne, euh, je dindonne et ça va faire comme la semaine dernière où il va me falloir un peu plus de temps pour penser à tout ça. Alors on va faire un truc déjà, c'est que celle là. Pareil, c'est une, euh, une lettre de plus d'état que j'ai pas encore défini. Bon, oh, il n'y a rien sur cette carte pour l'instant, donc c'est pas trop mal. Bon les amis, je sens que ça va être compliqué d'aller plus loin ce soir. Tout simplement parce que j'ai quand même besoin d'y réfléchir un peu plus euh, et d'être certain de ce que je vais faire et là vu mon état vu mon état j'ai peur que j'ai peur de faire une connerie j'aimerais quand même bien pouvoir réfléchir et prendre la bonne Solution. Alors je fais n'importe quoi, juste que j'ai envie de voir. Alors attendez. Juste je voudrais savoir où est-ce qu'ils sont les patoches analogiques. C'est de 26 à 21. Ok. 26 à 21. 26 à 21 c'est Ok. Donc. Tout comme ça ok bon c'est juste pour, euh, pour vous montrer ce que je veux faire je vais le charger je vais l'envoyer sur oula ne pas faire de bêtises ouais c'est bon je vais l'envoyer sur sur fusion et je pense qu'on va s'arrêter là ça sera déjà pas trop mal mais j'ai vraiment besoin de plus réfléchir à à cette partie pour éviter de faire une bêtise surtout de réétudier en fait mon code etc donc ça fera peut-être à mon avis euh, l'objet d'un nouveau live Bon, de toute façon, c'était sûr qu'on n'allait pas réussir à finir la carte électronique aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Euh, déjà, là, il y a pas mal de choses qui sont faites et qui, qui fonctionnent. En fait, en, entre autres, euh, cette, ce, 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 ce principe mécanique, aujourd'hui, je le mets sur mon robot, il fonctionne. C'est juste que, bah, il faut que je n'utilise pas la carte qui est là pour, pour faire mon, mon système. J'utilise directement, enfin, euh, je me branche directement sur mes cartes électronique déjà euh, euh, utilisé, mais ce qui ralentit un petit peu tout mon traitement. Du coup, c'est un peu un peu dommage. Euh, hop, je vais le réouvrir. Voilà. Alors du coup, l'idée, voilà. L'idée, c'est que vous voyez là, il y a trois, euh, les quatre LED qui sortent ici, et eh ben une fois qu'on aura décidé de où est-ce qu'on les met, hop on fera quatre jelly true On fera pareil avec les trois euh, les trois potentiomètres, tac tac tac, comme ça. Et aussi une fois qu'on aura décidé de la position du euh, microcontrôleur, euh, on viendra brancher un câble, qu'on viendra déporter sur un des côtés, un des carters, c'est euh, mon avis pour pouvoir après programmer très simplement notre balise, pour qu'elle soit complètement indépendante. Euh, il n'y aura plus que le câble euh, alimentation plus euh, signal qui arrivera quelque part. En fait, tu fais une Game Boy. Pourquoi Une Game Boy Qu'est-ce qui te fait penser que je fais une Game Boy C'est les LED qui sortent Ou les potentiomètres mètres Doukou J'ai pas tout compris. Bah, ben, il manque plus que l'écran, et avec les potards et les LED, ça fait Game Boy. Bon, sur ma précédente Game Boy, je me souviens pas qu'il y avait des LED. Parce que je suis vieux, c'est ça Pfff, sale jeune. <laughs> ouais, mais c'est mon petit côté... Euh... Ouais, c'est peut-être mon petit côté Nintendo à ses vieux, vieux, vieux débuts. Le fait de faire des trucs euh, simples et euh, qui fonctionnent. Euh, bon, écoutez. je De toute façon, je n'ai pas fini mon, mon schéma. Donc, je ne vais pas me lancer dans du routage. Ce ne serait, ce serait pas hyper intéressant. Je euh, j'ai pas, euh, pas non plus trop d'idées pour la suite, pour pouvoir euh, router tout ça. Et surtout la com là qui me qui me, euh, qui me bloque un petit peu là donc euh, donc je pense que ce qu'on va faire c'est que euh, on va arrêter euh, on va arrêter le live là c'est déjà pas mal on a déjà bien avancé euh, il va nous rester du coup cette histoire de, de communication à régler pour la prochaine fois euh, et puis euh, je... Spi. Ouais ouais bah ouais du coup je, je peut être en SPI, oui. Euh, je, je sais pas. Là j'avoue que je me suis... à chaque fois que je me pose la question, je, je reporte la décision, j'arrive pas à me décider. Euh... Surtout qu'en fait, le, le, ce qui m'embête le plus, c'est que c'est le microcontrôleur qui a le plus de trucs à gérer. Qui va devoir traiter en plus cette communication-là à savoir euh, c'est le, le microcontrôleur de, euh, de, de déplacement et c'est quand même celui sur lequel j'ai envie qu'il y ait le moins de merde donc euh, j'ai moyennement envie d'avoir des communications un peu complexes euh, et ça m'arrangeait bien que euh, les années précédentes euh, enfin même l'année dernière euh, on soit euh, sur une communication euh, très simple de type il euh, y a quelqu'un il n'y a pas quelqu'un et ça c'était très bien ça. donc euh, parce que ça prenait pas de temps donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'avoue que j'aurais... Euh, je vais avoir du mal à savoir ce soir. Donc. Euh, donc, bah écoutez, on va, on va s'arrêter là. Bon, C'était bien. On a, on a eu un beau... Euh, comment dire On a une belle avancée là sur la partie mécanique. Euh, ça veut peut-être dire aussi que... Si je reviens sur la partie mécanique... Si j'ai le temps cette semaine, je ferai peut-être quelques découpes pour vérifier que ce qu'on a imaginé est bon, à savoir toute la partie supérieure là. Euh, le, la, petite, euh, la petite planche de surf là, euh, planche de snow plutôt, euh, le système de support de guidage support en dessous, et puis euh, le système pour fixer le servomoteur. Et J'imprimerai peut-être ces pièces là. Voilà, si j'arrive à faire ça, c'est pas mal. Comme ça, du coup, la prochaine fois, on pourra aussi peut-être faire un peu d'assemblage, vérifier que tout fonctionne bien. Euh... Mais sinon, du coup, je vais quand même réfléchir et eh ben à. À ce qu'on va faire pour la suite pour la partie électronique. Je pense que j'étais pas encore assez finalement euh, serein sur la partie électronique sur ce que j'allais faire. Donc euh, bah écoutez, euh, c'est pas grave, hein, euh, on va reporter ça. Euh... Donc et ben bah, écoutez. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, suivi ce live. Euh, je vous encourage du coup euh, à euh, me suivre sur les réseaux, donc euh, bah, sur Twitch, euh, bien sûr, donc avec Barbatronic Live, euh, mais également sur les autres réseaux, donc euh, YouTube euh, avec la chaîne Barbatronic, sur laquelle du coup cette vidéo sera euh, un peu modifiée, puis après euh, réuploadée. Euh, et euh, enfin, me euh, bah, suivre sur Twitter, euh, barbatronic, pour suivre bah, du coup euh, les prochains lives, les prochaines avancées aussi parce que je, je fais pas que du live donc je fais des choses à côté donc des fois je, je tweet sur ce que je fais en dehors donc bah si si vous êtes intéressé par la robotique bah, n'hésitez pas à me suivre et je vous souhaite une excellente nuit bye